Un bonjour à YouTube, n'est-ce pas? Bonjour YouTube. Donc aujourd'hui, du Portal Reloaded, comme vous voyez à l'écran. Nous sommes en stream sur Twitch, évidemment, twitch.tv/Ugin. Et on va jouer à petit let's play. On va essayer de le finir, ce let's play. Ah non, j'ai cru qu'on jouait direct, j'étais là. Ah! Pas d'introduction, m'a menti, genre pas de narration, rien. Ah oui, petite mise en avant du concept. Pensons en quatre dimensions. Jean Roger, la quatrième dimension, c'est le temps. Oh, test subject 4509. You have been in stasis for 16 days and 4 decades. Welcome to the Aperture Science Long-Term Human Storage Vault. You have been selected to take part in a very special testing course. Au secours. Donc ça fait plus de 40 ans que je suis ici. Federal regulations require us to inform you that the testing ahead may result in slight cases of sore throat or blurry vision or death. C'est rassurant. If you experience any of the aforementioned side effects, please do not hesitate to write them down in your test report. Oui, mais comment est-ce qu'on peut écrire qu'on est mort en fait? Je. Comprends pas. Hein. This vacuum tube will take you to your testing area. You will be further instructed there. Ok, monsieur. Good luck. Merci. Oh, on peut regarder autour. Ceci est un écran de chargement, évidemment. Un chargement très appréciable. Imaginez les devs chez Valve qui se disent on va faire Portal 3, enfin non, pas Portal 3, Portal Caroline. Portal Shell. Et après ils feront Portal 4. On sait comment fonctionnait Valve les mecs, hein, c'est bon. Qui était là, ouais, on va faire un portail qui va dans le temps, trop bien. Et puis il y a eu ce mec. C'est long. Ah mon corps, mon que j'ai. Ah. Et là on chute. Ah, il s'est arrêté. Welcome to the enrichment center. These automated messages will guide you through your test today. Attendez, je vais juste passer mon clavier en anglais rapidement. In approximately 20 years. This test can be solved in two. Attendez. Français du coup? Hey. Non? Tout chiant, je. Mais j'avais. J'ai pas changé. Hop, ouais. Ah, alors c'est bon. Ouais. Option 2. Time travel to the future. The choice is yours. However, if you prefer time travel, the Enrichment Center will provide you the means to pursue that option. The time portal will open, and testing will begin in 3, 2, 1. Et là, c'est ouvert. Welcome to the future. Time traveling through portals will be an essential part of this testing course. Je vois ça. In order to help you distinguish between the present and the future, this part of the Enrichment Center has been left untouched for the last 20 years. You may see some signs of decay. Don't worry,
The enrichment center is designed to withstand centuries without proper maintenance. Find a way to exit the chamber. Oh là là, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton dans un endroit bien entretenu, évidemment. Welcome back to the present. If you are ever unsure which timeline you're in, simply observe your environment. The present should always look a bit cleaner than the future. Un petit peu, hein. Un petit peu. Un petit peu plus clean. Genre vraiment pas de beaucoup. This Aperture Science test subject teleportation device will dematerialize your body and rematerialize it in the next chamber. This process is absolutely safe. Usually. Ok. Généralement, safe. Bon bah on va se désintégrer. Ce mec est un putain de génie. Valve, engagez-le, laissez-le faire Portal 3. Pour l'amour de Dieu. Ouais, ça fonctionne bien. Hein. These next chambers will involve cube and button-based testing with the perks of time travel. Ceci sont des cubes. Est-ce que vous aimez les cubes, les enfants? Moi, j'aime les cubes. C'est pour ça que je joue à Minecraft. A cube placed in the present will appear in the same position in the future. Ouais. Et là, moving si a cube in the present will automatically update the location of the same cube in the future. Ok. This future version of the cube can be moved freely without affecting its counterpart in the present. It will stay wherever you leave it, as long as the present cube's destiny is not altered in any way. These material emancipation grills will vaporize any unauthorized equipment that passes through them, including cubes. Désolé, hein, les enfants, j'ai vu le trailer. Enfin, j'ai vu trailer. Good. Please continue to the next chamber. Vachement bien entretenu, hein, genre c'est absolument pas crasseux. Y'a rien. Understanding the concept of cause and effect will be vital to solving the upcoming tests. En effet. Simply put, everything you do in the present has an impact on the future, but not the other way around. Okay. Donc il faut un cube. Très impressionnant vos trucs bizarres. Good thinking. While it is impossible to bring a present cube to the future, this clever trick allows you to have two versions of the same cube in one timeline. This will prove to be very useful in future chambers. Okay, so let's do this. T'as trop classe. J'adore Portal. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue, ça descend. Donc là. Est-ce que je pourrais pas faire un truc à... Bah non, du coup. Ça a changé tout. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Mais je sais. Imaginons, les enfants. Imaginons. Voilà, un cube se recrée dans le futur. Incroyable, n'est-ce pas? Là. On le prend. On le pose.
Et là, on se casse avec le cube. Il faut. Ah bah oui. Je suis déçu du coup, moi. Always remember, if you change the destiny of an object in the present, the future version of that object will be affected as well. If this sounds too complicated, you're in luck. The next chamber will only heavily rely on your understanding of this very basic concept. Ok, monsieur. Donc là, logique. Ah oui, il y a un portail là. Et là, étonnamment, ça s'est cassé la gueule, hein. Voilà. Est-ce qu'on peut monter là? Je crois pas. Hein. Non. Faut utiliser le cube du turfu. Et là, il n'y a plus de cube du turfu. Et voilà, on est triste pour le cube du turfu, évidemment. Et toute sa famille. Mais il est de retour pour nous faire un mauvais tour. Ah ah! Oh, I'm an idiot. Mais oui, mais du coup. I'm an idiot. Et là, il est là. J'adore les musiques. Je crois qu'elles sont occupées en plus. Good. By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Now, let's move on to something more interesting. Ok, ça. Let's do this, ça. Et évidemment, on se fait désintégrer à l'infini. The triple portal device. What? Go on. This marvelous device will allow you to place three different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, the time portals will be placed for you. Mais! Du coup, je suis déçu. J'ai envie de bouder, mais il y a un let's play en fait. Il n'y a pas de. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! A portal placed in the present will appear on the same surface in the future. A portal placed in the future will not override its existing location in the present. Okay, les enfants. Thinking in four dimensions means not only knowing where to place your portals, but also when. Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Please ignore that. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. Ah non, mais si vous avez prévu ça, en fait, on n'appelle pas ça des destructions naturelles. Juste, vous avez engagé Michael Bay il y a 20 ans et vous avez tout fait péter. C'est tout. Oh merde, je suis déçu. Attendez, je vais à un endroit propre. C'est pas mal aussi. Et donc là. Je crois que pour moi, genre. Le joke, le mec, c'est un putain de génie. C'est là. De toute manière, là, si je vais dans ce qu'on appelle le turfug, enfin, dans le passé. Enfin, vous avez compris quoi, faites pas chier. Ouais. Évidemment. En fait, y'a pas d'ordre. Ah, mais si. Ah, et là. Et là, on pleure. Donc là, il y a ce qu'on appelle des infrastructures. Et là, il n'y en a plus. Oh, mais je suis trop con. Si vous voulez me taper, je comprends. Que là, portail orange là-bas, portail bleu là, donc là plus portail bleu parce que portail bleu là-bas, et là portail orange. Et là on appuie sur bouton, et là on est content, et là on appuie sur le bouton. Et là, on est content. Nicely done. Take note. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines, they can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. This next chamber will involve the concept of momentum-based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Simple enough. C'est que la musique est tout trop bien. Oh, mais il y a toujours pas. Je suis déçu. Il est où le port ailleurs? Touching the material emancipation grills will cause any ordinary portal to fizzle. Time portals are not affected. Trop bien. Ou alors c'était trop compliqué. If the portal closes in the present, it will also close in the future. So think about where and when to pass through them. C'est pas à dire. C'est là où on va commencer à en chier. Attends, là, il... Donc là, il est... Là. Ouais, il y a moyen d'aller là-bas. Wow. Je suis pas un professionnel, hein.
Pourquoi est-ce qu'il y a moyen d'aller là-bas? Ah, mais il y a moyen de... Ok. Bon, spoiler alerte, ça va pas assez vite. Faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule, moi. Ah, mais oui, mais comme on est dans le passé. Comme on est dans le passé. Là, on est dans la joie et la bonne humeur. Hop, hop. Voilà. Oh non! Ça a affecté nos portos. Et là? Big brain time. Outstanding. Now that you know all the essentials, how about shooting some time portals of your own? Yay! That's what we're waiting for. Let's go! Ah, mais je me rends compte que pas très français, donc pour ceux qui comprennent mal l'anglais, rip, c'est tout. Ahead of you is the Aperture Science Time Portal Activation Force Field. This field will activate and deactivate your ability to shoot time portals. It will not fizzle your portals or destroy cubes. Oh. C'est pas une capacité permanente. Je suis déçu. Mais en tout cas, maintenant. Non. Ouais. Et là, il y a toujours les portos. Great. The following chamber will combine all the elements you have learned so far. Good luck solving your first test while shooting three different portals. Ouais. Au secours. Ah. Et donc là, on retourne dans le passé. Vraiment là? Hop. Ah non, encore mieux. Je sais pas. Ah bah oui, mais ça sera après. Ouais. Il faut que ça monte. Je sais. Attends, on va tenter ça. Parce que, no way, ça a assez de vitesse. Voilà. Parce que s'il y a ça, est-ce qu'on pourra faire ça? Mais. Retourner dans le turfu du futur. Et là, on est en panique. Là, on comprend plus rien en fait. Là, on est là où that's not what you call Genius Mule. Non? On va pouvoir tester les choses avec notre cube. Donc. Il va avoir une idée à la con. Imagine.
D'accord, c'est censé être au même endroit. Ouais, ça va passer où? Attends. Hop. Et là? Yay! Et là? Ah oui, mais faut... Enfin... Ouais, ça ralentit. Mais tu es moi. Donc... J'ai envie de me tabasser les boules, hein. Je vous le disais. Ah mais non, mais je suis con moi. Mais oui, mais c'est normal en fait, Lucas, que ça fonctionne pas comme ça, pauvre con. Qu'est-ce que je fais du coup? Oh. Bon. Et oui, et après là. Mais oui, mais évidemment. Mais Jean-Fabrice, t'es trop con. Remember that you can only place time portals on surfaces which are in the same condition in both timelines. Bah oui du coup. Comme là, ce cube-là. Et pas dans le turfu. Comment ça, il est pas là dans le turfu, lui? T'es où? T'es pas censé être là dans le turfu. Je... Voilà, et là il est bien. Qu'est-ce que tu branles là? Et là on se pose des questions sur la vie. Oh. And then. Qu'est-ce que je vois? Bah oui! Mais oui, connard! Hop. Et là, on va dans le passé. Hop. Hop. On va dans le futur délabré. Well done. Traveling through a time portal will also transfer your current momentum into the other timeline. Quite nice. I like that. Et on va où maintenant? Imagine, j'ai raté ce saut. Ah, et là on est actué, ok. Écoute, je viens de me dire un truc. Si on peut voyager du présent au futur, et qu'on peut voyager du présent au futur au présent. Et qu'on peut revenir dans le présent en allant dans le futur. Enfin, qu'on peut continuer à vivre dans le présent. Enfin, imaginons, imaginons. Oh là là! Waouh! Ça fait 40 ans que je suis ici. Oh, je vais certainement rester ici pendant 20 longues années. Oh, mais échelle du futur, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je disparais. Beaucoup de paradoxes.
chose ici. Parce qu'à partir de ce point. C'est la même chose là. Ok. Il a parlé de momentum, ce con. Donc, spoiler alerte. On va devoir utiliser ce qu'on appelle le momentum. Est-ce que vous aimez ça, les enfants? Ah non, vous répondez pas, il n'y a personne qui regarde. Est-ce qu'il y a une bulle de chat? Est-ce que genre il y a personne qui est actif, évidemment, mais... Pas de chat, je suis déçu. Ah, c'est peut-être juste la scène. Ah, et là, oui. Là, on a tout. Bon. Viewer count, chat droite, ok. Donc c'est bon. Non! Hello there. Est-ce qu'il y a un truc dans le tueur? Il sera en particulier ici. Ah oui, c'est un qu'il y a là. Mais il n'y a pas de moyen de... Je crois pas que dans le futur ça change quelque chose. Alors il y a toujours, voilà. Toujours là ce connard de virus, n'est-ce pas? Hop. Ah mais je suis tombé. Bien chez moi, on joue à Death Stranding. Ce jeu est trop génial, toi tu connais que dalle. Ouais mais là c'est marrant. Là c'est très drôle. Je confirme, moi j'apprécie le concept tout autant que vous. Hein. Bah après faut faire des choses en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un tricks de speedrunner? De faire ça. Je maîtrise pas assez, j'ai pas envie de m'entraîner pour ça. Là, il y a fini. Oh, et bah oui, mais connard que je suis. Imaginez, vous êtes un connard. Vous vous mettez dans ma peau, en fait, directement. Hop. Voilà, et là, incroyable du cul, monsieur Potter. Là, on s'en branle de ce cube de mort. Parce qu'il est dans le futur et personne ne t'aimera jamais dans le futur, c'est connu. Et là, on fait quoi? Oh, mais je suis trop con. Et là. Là. Attention, big brain, hein. Hop. Trop de puissance. Vraiment. Ça va être pété un pont. Hop. Voilà.
Mesdames et messieurs, retour dans le futur. Oui. Hop. Donc, là, clac. Voilà, désintègre-toi dans la tristesse et dans les cœurs brisés. Ouah. Hop. Et là. Voilà. Et là, il faudra aller dans le futur. Du coup, on va aller dans le futur. Et là, vous allez être là. Ouais, mais Lucas, c'est useless ce que t'as fait. C'est comme ta personne. C'est useless. Et je vais vous répondre oui. Mais non. Parce que de deux choses l'une. Très gentil. Et de l'autre. Imaginez, on va dans le futur. Ouah. Vive le futur. Hop, hop. Je suis trop con. On prend le cube avec, évidemment. Hop, hop. Incroyable. Et donc là, à partir de là. Voilà. Aussi simple que ça. Vous voyez que je viens de voir la voir. Moi non plus, j'y croyais pas. Je réactive quoi. Je oh Pierre mais non ok reste très calme mesdames et messieurs. La situation, elle est sous contrôle. Je blague. Ouais. Absolument. Je vois ce qu'il faut faire. Regardez. Et là, là on pleure. Ah, et du coup, on fait que. Non, on fait comment? Voilà. Faut que je trouve un moyen de bouger ce cube. C'est à ce moment précis que vous êtes là. Ouais, mais c'est sûr, c'est évident, pauvre con.
parce que on s'accorde sur un truc. Hein, bien sûr. Je sais que vous n'avez pas vous accordez avec moi sur beaucoup de choses. On s'accorde sur un truc. Là. Hein. Cube là-bas, il n'existe plus. Et pour que la porte s'ouvre, il faut que ça se soit retiré. Ça accorde toujours là-dessus. Hein? Voilà. Pas se le cacher. C'est ça que ça fonctionne. Évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, genre, là, je suis sur le truc de Twitch et je me dis, tiens, qu'est-ce que les autres font? Où est-ce qu'ils en sont? Il bouge pas et il a l'air. Ah non, il est. Il est au puzzle ou découvre. Le troufion du fion. Pendant ce temps-là, chez l'autre. Il est sur un puzzle plus avancé. On va le faire. Moi j'ai envie d'y croire. Je sais que vous êtes là. Ouais, non. No way. No way, il le fait. Trop con. Trop con. Vous aurez peut-être raison. En vrai, ce que je peux faire. Un truc à la con, hein. Alors vous allez certainement m'insulter pour ça, vous avez l'habitude. Non, déjà, on va aller dans le portail vert. Magnifique. J'ai envie de me tuer, bordel. Et donc là. En vrai, au pire, ce que je peux toujours faire, tenter de faire. C'est la technique, mesdames et messieurs. Et là, on y repart. On y croit. Ça n'a absolument rien changé, mais si, à part une humiliation grandissante, faites-vous, mais sinon ça a rien changé, je confirme. Hop. Donc là, on a ça. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Problème, la sortie elle est par là et c'est pas activé. Pourquoi? Voilà. Ceux qui ont un cerveau auront compris. Ceux qui n'en ont pas se rangeront de mon côté. Hop. Parce que du coup. Là, on se sent vachement con quand même, hein. On va toujours tenter comme ça.
ça changera pas grand chose. Alors, c'est toujours pas activé, voilà. Ce que je peux tenter de faire. Là, ça va être très tricky. Je vais tenter un truc. Et vous allez être là, ouais, mais c'est évident, pauvre con. Et vous aurez sans doute raison. Ouais. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Je crois. Au plus profond de moi-même, c'est mes croyances les plus profondes. Je sais pas quand je me suis retrouvé là, mais ça me va. Je pars où? Je pars là. Je pars là. Je pars là. Non, c'est pas par là. C'est par là. Du coup, c'est par là, mais putain. Voilà, c'est par là. Voilà. Non. Vous allez me dire, mais Lucas, t'es con, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça change? Non, on est obligé de. C'est très très complexe, mesdames et messieurs, comme manipulation. Maintenant, du coup. Parce que. Là. Voilà. Il n'y a pas de futur où ça, ça existe. Donc il faut que je trouve un moyen d'accéder au futur là-bas. N'ayez pas le vomi, évidemment. Waouh, incroyable, ça a rien changé. Ils sont toujours aussi cons. Ah, au secours. Au secours. Mais comment il faut qu'il y ait... Dans le futur, ça n'existe pas. Il n'y a pas un portail au-dessus ou quoi là qui pourrait... Ouais, il n'y a rien. Et dans le futur, il n'y a que Quick non plus. Oui, il y a de la végétation, quoi. C'est vite fait sous l'eau. Ah bah non, du coup. Là. Parce que ici, à part chialer ou pas rien faire. Et dans le passé aussi. C'est notre timeline, bordel de merde. Bien, il y a le walkthrough, hein, mais... Je sens que vous avez envie de me voir chier. Je sens que vous en avez envie. Ouais, je pense que dès qu'on aura fini ce niveau, soit j'arrête la première VOD et je reprends une deuxième, comme ça, ça fera pas des trucs ultra longs pour vous, YouTube. Soit j'arrête de streamer pour aujourd'hui. Deux possibilités et pourtant
Toujours autant de putain de timeline. Mais on peut pas. Tiens. Ah, moi, mon rêve, là, ce serait de pouvoir switcher de timeline là. Enfin, ce serait de switcher sur toute timeline après être arrivé là. Pour des raisons que vous connaissez, impossible. Oui. En vrai, non. Non, je suis trop perdu. Vous croyez qu'il y a moyen si je fais un truc dans le... Attendez. Il faut que je prenne des repères. On va être de l'autre côté. Faut que je passe sur une timeline. Où le cube n'est pas là. Mais en même temps qu'il soit là. Ce que je peux faire à la limite, et là c'est une mesure désespérée évidemment, vous connaissez mes mesures désespérées hein, avec le temps. Tac, hop, voilà, fin. Hop, on reprend là. Mais ça n'arrête pas notre problème. L'humour. Ça règle absolument pas notre problème. Ça a juste changé la timeline d'où est le problème. C'est tout. Bon. La limite. À la limite. Ouais, ça changera rien. Il faut toujours qu'on dégage ce cube. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Attends, est-ce qu'il y a une variation ou quoi que ce soit? Désolé pour ce moment. Douteux pour vous, personne à l'estomac sensible. Ouais. Parce qu'en plus le son bulletproof. Donc ce gameplay entier du jeu avec toutes les solutions fait même pas plus d'une heure. Ça fait 54 minutes. Enfin, son truc fait 55 minutes et la VOD à l'heure actuelle fait 54 minutes et 35 secondes. Bonjour YouTube. Donc Que fait-on? Enfin, je vais y aller et espérer que quelqu'un nous tue. Juste à un moment, si met le Gman, je vais pas. Putain, mais je sais pas moi. Je ne sais point, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour la paix.
Beaucoup d'interrogations me traversent l'esprit. Tarot. Pendant ce temps. What? Ok. D'ailleurs, là, c'est que les streams français, mais il doit bien y avoir des streams anglophones avec 43 milliards de fois plus de monde. Ah, il y a beaucoup. Beaucoup de monde qui stream du portal. Oh, on se demande pourquoi. Hein. Non, je comprends. Juste pour ce mode génial. Là. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par chialer, comme d'habitude. C'est le discours. Si on le change, putain. Hola, m'appelle 94. Est-ce que là? Là, on est. C'est beaucoup là, sur ce test numéro 10 de Moore là. Oui, bah lui il reste évidemment. Bon là, il a le portail vert. Parce que là, il est pas là. Et là, on crée des bugs dans la matrice. Et c'est toujours très drôle de créer des bugs dans la matrice. What? De toute façon, on peut pas rentrer dedans. Alors, Portal Reloaded, c'est un mode de Portal 2 qui est gratuit et qui est sorti hier avec, bah, comme l'indique le titre, un portail de temps. Et c'est gratuit puisque c'est un mod. Sauf si tu l'as acheté sur console et là, achète un PC. C'est tout. Désolé, pas désolé. Et c'est parfaitement gratuit, il y a même un site. Même t'envoyer le lien. Tiens, tant qu'à faire de la page Steam. Hop. Aussi sur mode DB. Tac. Launch trailer. Hop. Download Steam. Tac. Tac. Et je te mets dans le chat tout de suite. En gros, c'est 25 maps de test. Très très gros. Où tu as un troisième portail, le portail temporel. Où tu switches du présent au futur. Et c'est trop bien. Évidemment, ça c'est un échec. Ce que là.
Là, notre cher portail vert. Ah oui, non, mais là, ça, le mec, il le dit sur son site, c'est pour des vétérans de Portal. J'en suis pas un, et c'est pour ça que j'y joue. C'est que là. Parce que bien évidemment, on va passer le portail du temps puisque bah au secours. Mais là, comment est-ce qu'on pourrait faire tant de questions qui n'auront évidemment aucune réponse jamais. Oh, et là. Oh Big. Bah non, du coup. Alors. Ah, on va s'amuser. Je t'expliquerai rapidement le principe. Ici, on est dans le présent. Le présent à partir Science. Ici, nous avons ce qu'on appelle un cube. Évidemment. On a son homologue du futur. Son homologue du futur, tu peux le prendre, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tu peux même l'amener dans le présent. Il se passera rien. Mais si tu bouges son homologue du présent, il n'y a plus d'homologue du futur. Jusqu'à ce que tu le reposes. Mais l'homologue du présent, si tu l'emmènes dans le futur, il disparaît. Puisqu'il sera plus dans le présent et du coup il sera plus dans le futur. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Tuez-moi. Ouais. Hop. Ah oui. Et bien évidemment, cette mécanique s'applique au portail orange et bleu que tu poses. Donc, imaginons, ici on est toujours dans ce qu'on appelle le présent, il paraît. Donc là, nous avons deux portails. Porto, si je préfère. Si on va dans le futur, les deux portaux sont là. Incroyable. Si on mettait ce portail là, là. Ah mais il est pas là, il est toujours là. Et si on le met là? Bah il passe là, mais il était plus là. Le fun, je vous dis. Que de la logique, évidemment. Là, je suis con, faut que j'aille dans le passé. Hop. Ah mais non. Évidemment, toujours de la mémoire et tout. Évidemment. Bah en vrai ça va genre. C'est pas trop frustrant, genre en tout cas le gars il a essayé de faire au mieux pour que ce ne soit pas frustrant. Ça devrait bien se passer normalement. Derrière. Ah non, qu'est-ce qu'on va. Hop. Hop. Ah mais. Je suis trop con. J'ai juste un boulet. Yeah.
Ah oui, non, l'espoir fait vivre. Clairement. Clairement. Il va partir en couille à un moment ou quoi? Oui, c'est vrai, en tout cas. Voilà. Il est là. And let's go in the past. Et là, on le touche. Comme ça, on active le portail là-bas. Mais du coup, on peut plus placer le portail là, puisque bah, dans les deux timelines, ça va pas. Passer, ça n'a aucun putain de sens. Hop. Et là, ça va rien changer en particulier. Genre, attends, on va faire un test à la con. Je suis là. Oui, genre, no way, t'as les réflexes, ni le temps, ni la distance nécessaire pour appuyer sur ce bouton de merde pour reset tout. On va pas craquer tout de suite. S'il faut, on se laissera là. Et on reviendra la prochaine fois, tête repos. Est-ce qu'on sera vraiment à tête reposée puisque ça va nous tarauder la tête pendant 43 putains de millénaires? Peut-être pas. Mais on y croit. Hop. Ah oui, du coup. Ouais, mais genre tu peux pas en fait. Seule manière véridique que j'ai trouvé, c'est chialer. Et encore, ça change pas vraiment grand chose. Que faire? Que fais-je? Que ferais-je? Puisque Academy me casserait la gueule pour cette phrase, probablement. Mais bon, des ossements, c'est facile à battre. Même pour un faible arcom. Alors. Quoi faire? Là, je suis paumé. Là, je ne comprends pas.
là, je trouve ça change rien. Genre. À la limite, ce qu'on peut faire. À la limite, c'est l'en prendre avec nous, lui. Il est où? Il va lui péter un plomb. Hein. Au secours. Qui va tomber là. Je crois que... Moi j'ai envie de croire. Là il tombe. Attends qu'il soit reposé. Ah, pare. Tant pis, j'essaie. Je suis trop con, au secours. Hop. Hop. Là, on va le prendre avec. Oui, il y a un cube qui disparaît quand tu bouges l'autre. Je suis pas sûr. Le principe des timelines. Qu'est-ce que je pourrais, comment, au soir. Oh, on va monter directement là et on va finir de... Mais... Enfin, en vrai, il disparaît pas vraiment. Juste le cube du présent slash du passé réinitialise la position du cube du futur. Là, je le bouge, là, 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 là. Hop, je le repose sur le petit bouton. Délicatement, évidemment. Et il est là. Voilà. Voilà. Et si nous avons deux cubes, si celui-là bouge à minima, celui-là disparaîtra parce qu'il vient du futur. Comme ça que ça fonctionne le turfu, frérot. Science. Ou alors, ce que je peux tenter. J'ai compris, j'ai envie de m'insulter. Vous allez me dire, c'est souvent comme ça qu'on... Comme... Tu vas voir, et tu vas certainement me traiter de gros con, puisque j'ai celui-là depuis 43 millénaires. Voilà. Bon, il est mal placé, mais on a l'idée. Hop. Tu vas rester là. Voilà, très bien. Hop. 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 Non,
Non, il faut que je trouve un moyen de... Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, oui. Faut que j'arrive à me débrouiller pour que ce cube-là, en particulier, se retrouve là. Mais qu'après, il faut que je réussisse à choper le cube là pour après pouvoir déplacer ce cube là. Vous allez rapidement comprendre, mesdames et messieurs, évidemment. Voilà. Ça, c'est pour l'étape 1. Non, l'étape 2, mesdames et messieurs. L'étape 2 qui est pour le coup un peu plus complexe, ça va pas se le cacher. Oh, mais je suis trop con. Mais bien évidemment. Si on peut pas prendre le cube là-bas, on peut toujours appuyer sur ce putain de bouton. Je vais devenir fou. Je vous le dis. Hop. Et là, on est dans la joie et la bonne humeur. Paf. Et là, on est dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Ceci est un cube. Il est beau, le cube. Vous aimez le cube? Moi, j'adore. Ok. Attention, Big Brain Time, mesdames et messieurs, vous avez jamais vu ça de ma part. Voilà. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Now, let's move on to some more advanced challenges. Some more advanced challenges? Are you kidding me? Merci, ça... 10 ans d'études. Ça fait beaucoup. Ah oui, t'as toujours l'extension Soundboard. Je crois qu'il y a... J'ai mis les applauses. Est-ce que je les ai mis les applauses? Je crois que je les ai mis, hein. Pas sûr, mais je crois que je les ai mis. Hop. Attends. Sound alert. Ah oui, là. Oui, donc si t'as envie de mettre un son dans les oreilles, tu peux. If you are ever unsure where you placed your portals or where you left a cube in the other timeline, feel free to use the puzzle element indicator switch on your portal device. Quoi? This will display holographic projections of your portals and cubes in the other timeline. Oh! Mais comment est-ce qu'on utilise cette chose? F? Avec F? Attends. Je vais te montrer rapidement comment casser mes oreilles. Les sons absolument pas inquiétants. Par exemple. Oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Voilà. Ah d'accord. Oh. Ça c'est intéressant. Moi j'aime ça. Si on a un bouton. Qu'on a plus. Non, on va pas devoir jouer sur les timings quand même, mesdames et messieurs. Attendez, je sais comment on va faire.
sais comment procéder à toutes ces choses pénibles de la vie. Faut qu'on appuie sur un autre bouton là? Attendez, on réfléchit, hop. Hop. Oui, 1, 2 et 3. Le 3, il est où? Tu me dis qu'il est dans le futur? Je comprends pas. Timer qui casse les couilles ici. Hop. Pas tant un mystère que ça. Si tu me dis que la solution est juste aussi débile que ça, j'ai envie de me taper. Hop. Bah non, du coup. Et c'est le moment où on m'insulte. Bah non. Bah non, bah non du coup. Il n'est pas planqué sous le sol. Il est planqué dans mon cul à ce stade-là. Allez hop. Voilà, il est là. Donc. Ah, ça va être ultra short. Ok. Ok, ok. Ouais, je pense que le plus chiant sera d'aller là à chaque fois, de toute façon. Donc. Oui, mais là, tout ce qui est tout pété, c'est dans le futur. Là, on est dans le présent, slash passé. Donc là. Pour 30 minutes. Réfléchis, n'est-ce pas? Il n'est accessible que dans le présent, en effet. Et j'ai envie de me tabasser les boules. Attends, on va réfléchir. On va setup profondément le truc. Oui, il est accessible, mais en fait. C'est très très chaud. Mais si on sait utiliser un cerveau, malheureusement c'est pas le cas du streamer que tu es en train de regarder, c'est faisable. Attends, on va optimiser un. Bon, les placements. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Enfin, si je peux faire ça. J'ai envie de me taper les boules. Ceci est un échec. Bonjour les enfants. Ceci n'est pas à refaire. Parce que c'est un échec, justement. On va passer bien là. Là. Donc, on va là. Hop, au switch. Hop. Hop. J'ai envie de me taper des boules parce que j'ai mal optimisé mes trucs. Je l'ai fait ! Trop bien. Quickly make your way over these turret redemption platforms.
Unfortunately, oh, no. They did not survive their trip to the future. Yeah! Come to think of it, it's actually quite remarkable that you are still alive. Still alive. If at any point you are concerned about your odds of survival, don't be. Remember the test subject teleportation devices at the start of each test section? Should you die at any point during this test, we can simply rearrange the atoms you are made of and put them back together. Ah oui, c'est vrai. Intéressant. Intéressant. Donc là, on a la porte de sortie qu'on doit activer avec ce bouton. J'aimerais tellement si c'était si simple. J'aimerais tellement. Ceci est une fête qui se pète. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça active ça. Ok. Y'a pas ce qu'on appelle un cube. Alors, si on appuie sur le bouton par exemple. Ah! En vrai, je peux toujours aller le choper. C'est dangereux d'aller le choper, mais je peux toujours aller le choper. Hop. Donc. Des petits coups de. Sans. Donc. Imagine, imaginons un scénario quelconque. Par exemple, ok, mesdames et messieurs, nous avons trouvé la solution. Putain, pour une fois que j'utilise les deux neurones qui me servent. Bon, ce sera pour pas si simple. Mais soit. Hop. Et là, on est à la joie et la bonne humeur. Youpi. Tac. Tac. Ok. Croyez quoi? Je crois que j'ai le temps. Ok, faut optimiser son trajet. Encore. Donc, mesdames et messieurs, optimisons le trajet. Mesdames et messieurs, on est con. Mais ça, on le savait déjà. Pour l'air facile. C'est dommage, mais en même temps. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, on va se poser 30 secondes. Et on regarde. On analyse le problème. Que l'un des problèmes étant ce cube-ci, très bien, je l'aurais emporté là, mais on en fait quoi? À part des larmes et des tas de sang, moi je sais pas. Hein. Parce que là. What? Vous croyez qu'on a vraiment le temps de faire le trajet genre jusqu'au cube pour le remplacer? Attention.
Non. Évidemment que non. T'as une musique fantastique, je trouve. Parce que l'un des problèmes, là, si on va dans le présent, c'est bien marrant 30 secondes, hein. Mais ce cube, il est du présent. Et qu'il soit du présent ou du passé, il disparaîtra. Parce que là, oui, ça vaut la force, mais. Paul y a été. Ça se trouve comme ça. Parce que là, genre, on est obligé d'appuyer sur le bouton et de trouver un moyen que ça s'aille. Mais. On peut pas prendre un autre cube, ça serait trop simple. Évidemment. Je crois pas que ça va fonctionner. J'ai envie de tenter un truc. L'un des problèmes qu'on a actuellement, c'est qu'on a besoin de deux cubes. Je pense qu'on est d'accord. Voilà. On retire. Enfin, non, non, pas du coup, on le pose pas là, du coup, on le pose là-bas. Un vieux monsieur aurait dit, incroyable, du cul, monsieur Potbeurre. Tester un truc. No way ça fonctionne. No way. Ouais. Comment qu'on fait? Bon, en vrai, je pense que je vais faire le truc d'une treize. Spoiler, on n'est pas sur la première moitié. Donc, ce sera nous. Ok, je pourrais le faire. Oh là oui. Est-ce que là ce cube du Turfu là Est-ce que test mais clarifie ton idée. Ton test m'intrigue depuis tout à l'heure. Clarifie-moi ton idée.
Ouais, c'est très beau, perso, moi j'adore. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, que je peux tenter. C'est de faire switch de timeline ce cube. Afin que dans l'autre timeline. Parce que là, l'autre timeline, non, il n'est pas activé, je sais pas. Celui-là, pas. Ce que je pourrais faire. Mais. M'étonnerait que ça fonctionne. Mais on sait jamais sur un malentendu. Regardez en place ça. Ok. Ok, on est d'accord sur ce point-là. Toujours d'accord. Death. In case you were curious, no, we cannot make infinite clones of you because of the stupid rules of quantum mechanics. Only once you die can we take your atoms and recreate your body for continued perpetual testing. Allez, prends mes atomes. Merci. N'hésite pas à utiliser l'extension sound d'alerte, évidemment. Hop. En vrai, YouTube, ça fait déjà 1 heure et demie. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi ce premier épisode. Tout est très long de Portal Reloaded. À la prochaine, même si c'est juste après. Merci Maple. Maypi. Je sais pas pourquoi je lis un L à la place de J depuis tout à l'heure. Mappy, Maypy, du follow et à la prochaine YouTube.